Parle un peu pour dire bah, de la merde. Oui, mais je dis quoi? C'est bon, merci. Eh bien bonjour, c'est MNV.mind et je suis toujours en compagnie de Aqua. Aqua dit bonjour. Salut. C'était une blague en fait, ce n'est pas Aqua. Il a été remplacé par une gonzesse un peu plus sexy que lui. Je suis pas une blague, non, c'est pas Bon, en fait, Aqua n'est... C'est déjà le bordel. Aqua n'est pas disponible pour jusqu'à mardi, donc on va faire deux épisodes avec des gens que j'ai rencontrés au coin de la rue. Et donc la seconde personne à nous rejoindre, c'est Armdragger. Salut. Yo. Comment vas-tu? Salut. Ça va et toi? Bien, bien, bien. Donc Armdragger travaille avec moi, fait partie avec moi du staff de la Team Legend. Et normalement, si je suis pas trop mauvais, un petit encadré devrait apparaître sur votre écran pour vous linker sa chaîne qui commence là dans quelques jours. Voilà. Oui, c'est Eh ça. bien, ben, qu'est-ce qu'on... Ah oui, tiens, voilà, donc ça c'est la belle maison de Armdragger qui vient tout juste de commencer à jouer et qui a déjà une lock, une classe. Et celle-ci, c'est la maison de Minorax que nous allons visiter tout de suite. Ah oui, je Tu vois voulais... les fleurs d'ici? Ouais, on voit des trucs, c'est trop génial. Avant qu'on passe vraiment dans le vif de l'action, putain, j'ai déjà des baisses de framerate alors qu'on vient juste de commencer. Attends, je baisse les graphismes et pendant ce temps-là, je parle. Donc, puisque Aqua n'est pas là, on fait une sorte de hors. Comment on dit Hors série. encore? Hors série, voilà, on va faire une sorte de hors série. On va. Comment. Je vais mettre médium plutôt. Médium. Et je vais quand même conserver l'alias. Parce que sinon, c'est dégueulasse. Ok, c'est bon. Accept. Accept. Oui, donc on fait une sorte de hors-série, histoire que je préserve le personnage que je montais avec Aqua. Et j'ai un FPS de pire en pire. Je crois que c'est une catastrophe, mes amis. En fait, Arma, je crois que c'est ton truc pourri, là. Ça me tue complètement mes FPS. Ok, j'ai Donc là, on va aller visiter les fleurs de Minorax, donc, qui est... qui fait pousser les bananes dans sa plantation. pourquoi ça pousse, c'est pas. Et non, en fait, putain, non, mais là, j'ai vraiment un problème technique. Un instant, on va essayer de régler ça. Ellipse. Eh bien, cette ellipse prend fin avec apparemment des FPS constants. Et un Armdragger qui s'est enterré vivant tout seul. On m'a enterré. Donc, nous allions visiter les fleurs de Minorax, donc qui est fleuriste à plein temps. Et bah, tu nous fais visiter parce que, après tout. Bah là c'est le rez-de-chaussée, ça se voit. Ouais. Ça, c'est tous tes Après à portes. l'étage, c'est tous les portails, C'est tous les les portails, portos. oui, les portos. Comme dirait à quoi. Rican. Mes fleurs! Et Ils étaient oh, pas ils étaient oh, pas finis de pousser ceux-là. Oh, des fleurs! Ils avaient pas fini de pousser. Je peux pas les casser, c'est dommage. Et donc, ça fait quoi? C'est en gros, tu cultives Ça des fait des cubes. blocs en fait. D'accord. Et chaque fleur donne combien de cubes? Blocs, pardon. Ça dépend. À peu près. T'as une moyenne. Ça en donne un seul? J'en sais rien. Bah, en même temps, si j'en casse 10 000 en même temps, je peux pas savoir. Bah, casse-en un seul. Ouais, bon. Attends, on va voir le petit dernier. Le petit dernier. Vas-y. Fais-toi Attends, plaisir. j'attends, que j'ai plus rien à droite, c'est bon. Bah, apparemment, ça en donne qu'un. Oups. Oh putain, il faut en cultiver un paquet alors. Et les cacas là, ça donne quelque chose? Oui. Ça me servait pour des crafts. Mais du coup, maintenant, je dois tout replanter. Et en plus, ça met 6 heures à pousser. Du coup, bah merci. Alors, il y a un avion qui est en train de s'écraser derrière moi. Oh putain! Vous avez entendu? Ouais. Non, en fait, j'ai Alors, rien dit, ça avait fini de pousser. je pense définitivement que c'est la journée des problèmes.
Mais c'est pas grave, on va faire avec, hein. Et t'avais pas un sous-sol, t'avais pas une cave à nous montrer? Bah oui, mais y'a rien dans ma cave, en fait je suis en train de la refaire. Ah, donc, parce que t'avais planté dans ta cave à la base. Oui, mais en fait ça pousse pas, il faut que ce soit la lumière du jour. Ouais, en même temps... J'ai dû en faire planter en haut. Ouais, là ça servira pour enchaîner des gens. Voilà, toi tu restes là. Problème, c'est que je peux pas percer tes murs. Je suis vraiment en prison. Bon, alors... Et je suis trop près de ma maison, donc j'ai pas le H. Donc je suis réellement bloqué. Coup, faut que je t'ouvre. Ah ouais, t'es obligé de m'ouvrir. Oh mince. Allez, ouvre. J'ai obligé. Minorax, je suis la seule personne qui est gentille avec toi. Merci. C'est bien, ouais. Et maintenant, si je vous faisais visiter ma maison, qui a un peu changé depuis la semaine passée. Donc parce que pendant une semaine entière, Aqua n'était pas là. Et je me suis occupé comme je pouvais avec mes petits doigts. Des petits doigts, toujours des petits. Voilà, donc la maison telle qu'elle est actuellement, déjà voilà, vous avez un rez-de-chaussée assez swag, hein, qui va me servir à mettre mes trophées et tout ça. Ensuite, quand on arrive en haut, c'est tous les portails, les popos, les portos. Ici, j'ai envie de mettre des statues, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Mais ça va être l'endroit glauque où il y a les statues dégueulasses. Et après, ici, c'est où je recharge mes machins. Voilà, comme ça, après, je fais comme ça et je saute par le balcon pour partir à l'aventure. Donc, vous ne visitez pas avec moi, mais c'est pas grave, hein, je fais comme si. Donc, on continue à monter les escaliers du bonheur. Donc, ici, on arrive sur le toit et on continue à monter vers la tour. Voilà, la tour où se trouvaient les trucs de crafting avant, mais maintenant c'est surtout mes vestiaires, mes coffres et tout ça. Donc j'ai toujours, comme vous pouvez le voir, mon Dracolich qui est toujours level 4, comme promis. Il a pris un petit peu d'XP parce que je voulais m'en servir pour crafter, mais comme il y avait des mobs qui arrivaient sans arrêt, donc j'ai changé de classe parce que j'avais peur que ça me fasse prendre du level. Ensuite, il y a le Knight, donc le tout premier que j'avais joué, si vous vous rappelez, qui lui est level 15, maintenant. Et donc celui que je joue actuellement, que j'ai joué pour cet épisode, c'est le Gunslinger, donc qui est une classe à distance. Donc Minorax est monté tout en haut, donc maintenant on descend. Voilà. On descend et on va même carrément descendre puisque je vais vous faire visiter la cave. La cave qui va commencer à être un des endroits les plus intéressants maintenant puisque on s'est rendu compte qu'on peut creuser super bas. Minorax, viens avec moi. Viens dans ma cave. C'est l'autre côté. Ouais, c'est l'autre côté, là. Mais moi j'ai peur des caves, il fait tout noir. Regarde-moi, il y a la lumière. Elle est bien. Alors ici, donc c'est mon nouvel endroit pour crafter. Comme vous voyez, puis après il faut suivre la flèche et on descend. What? et là. Ah mais tu l'as fait ta maison. Eh oui, j'ai fait une maison dans la maison. Et il y a rien dedans, je parie. Si, faut monter les escaliers. À l'intérieur. Ah, tu sais que j'adore ça. T'es arrivé à l'intérieur, voilà, monte les escaliers, c'est bien. Ah, ils sont bien les escaliers dans la maison, t'as vu? En plus, comme il y a des murs. Ouais bah c'est bien ce que je disais, y'a rien. Oui mais je t'ai fait monter jusque tout en haut en pour plus, rien. En plus j'étais fail parce que là regarde y'a un bloc en trop. Où? Où? Là au-dessus de moi. Moi mais c'est, je sais pas, c'est pas symétrique. Bah si c'est symétrique, c'est symétrique. Là c'est symétrique. Non c'est pas symétrique. Mais effectivement, et là ok t'as raison. T'as raison. Voilà, là c'est symétrique. Comme les blocs sont sur les arêtes les uns des autres, on est obligé de faire des blocs comment pour pouvoir les poser. Ensuite on les enlève. Et là j'ai juste oublié d'enlever. Sauf que là en fait tu peux pas sauter.
Il n'y a pas de trou tout en haut pour descendre. C'était l'arnaque. C'est pour ça que j'ai fait ça. Comme ça, les gens montent jusqu'en haut et après, ils sont obligés de tout redescendre. Ouais, mais en fait, ça sert à quoi de faire Non, mais parce que je vais faire une cache au trésor tout en haut. Ou pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Je trouvais que le bâtiment était super classe comme ça à l'intérieur. Bon. Je remonte les escaliers. Et là, je suis Ceux-ci sont remontée. bien grands, bien larges pour pouvoir y passer avec une monture. Ah, je suis tombée. À part Mino. Ouais, parce que comme vous Ah savez, je non, mais suis moi certainement. les escaliers et les jumps, je te dis pas, c'est J'ai toujours trop. prétendu que j'étais le plus mauvais en jeu de plateau, en saut et tout ça. Non, c'est faux. J'ai trouvé mon maître. Minorax, c'est mon maître. S, catastrophe ambulante en saut. Un escalier en Pendant ce grimaçant. temps-là, il y a Armdragger qui découvre le jeu. C'est pour ça certainement qu'il est très silencieux. Donc Armdragger, tu es là? Ça se passe bien? Oui, je suis en train de miner. Notre fight est de Il miner. mine. Voilà. Donc Pareil. on s'est passé une règle. Par contre, avec Aqua, je vais quand même vous en parler. C'est qu'on évite de trop miner quand on est en train de record. Parce que les gens, ça les amuse un peu moins. Donc, Wow. s'ils veulent, Petit épisode de ouais. minage, Je trop bien. pense que la seule personne qui regarde préfère voir de l'aventure. Aventure, c'est... L'aventure, c'est pour les gays, mais pas, enfin, ceux qui sont pas homo, quoi. D'accord. C'est pour les gays, ceux qui sont pas... D'accord. Oui, c'est gays dans le genre faible, tu vois. Enfin, dans le genre, ils ont pas le courage, mais pas les gays dans le genre, ils ont fait un choix. Je viens du verre. Moi aussi. Ah ça par contre. Comment on fait pour ramasser? C'est eux, c'est ça? Oui, c'est eux. Okay. Et après pour l'inventaire, c'est quoi? Bon, je sais pas, j'ai mis I donc. Ouais, c'est ça. Attends, Ouais, juste les roses ça le donjon, du pour coup. faire des Non, bagues. collection. What? En fait, on va aller faire le donjon là pour toi, on va te suivre, on va te laisser mourir et. We will survive. Ah oui, tiens, vous avez vu que maintenant j'ai un petit pet avec moi. Voilà, il est mignon, il est tout là, il est tout présent. Ah, c'est une Voilà. tombe comme ça que je vais mettre juste au-dessus du trou où je t'avais enfermé. Ouais, moi je sais les crafter. Bah, moi aussi je sais crafter. Mais non, C'est tu pour sais ça que pas. j'ai dit ça. Mais si, Non! T'embêtes pas, toi! Oh, meurs. Ah oui, c'était bref. Alors attends Arma, parce qu'en fait tout le monde drop un truc et je vais te donner ce que j'ai drop pour toi, voilà. Attends, je cherche juste comment on ouvre l'inventaire. Ouais. Je B, cherche B où c'est. comme boulet ou bague. Ah Sa classe, c'est des staffs ou des mêlées? oui. Je sais pas du tout. Non, toi c'est des staffs que tu utilises. C'est quoi la Il différence? est magique. Bah, Oui, c'est il magique. y a, y a les bâtons et il y a les épées, quoi. Regarde, il est D'accord. magique. Enfin, épées, les armes de mêlée, quoi. Oui, mais tais-toi, Ouais, du il est coup, j'ai ça pour toi. magique. Magique. Et ça. Magie. Non, B c'est l'inventaire, donc bon. Oui, B c'est C'est. l'inventaire. Oui, mais moi je veux juste pouvoir équiper mon stuff, mon équipement. C'est. C'est. Mais sinon, tu Super. ouvres l'inventaire et tu fais un Et clic tu cliques. gauche. Pas clic droit comme on a l'habitude de faire dans les autres jeux, c'est clic Ah bah gauche. oui, c'est parce que j'ai fait un clic droit, d'accord. Voilà. Donc ça marche pas. Ok, face, c'est bon. Mon dragon, il secoue ses ailes. Oh putain, t'as gagné des HP là. Ouais, il est surtout en train de faire une crise d'asthme, ton dragon. Fumé, hein. J'adore mon bâton. Après, tu vas voir que tu peux apprendre des styles pour tes armes et tes coiffures et ton masque, etc. Et tu pourras garder un style prédéfini tout en changeant d'arme comme D'ailleurs, tu je vais veux. mettre les miens. Ah, Par ok, exemple, tu vois mes deux magnifiques Colt Gold là, en fait, c'est pas ce que j'ai en vrai. ouais, putain, je suis dégueulasse. C'est quoi ce bordel? En vrai, j'ai des sortes de. Oh, j'ai ça. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? À votre avis, c'est quoi que je tiens en main? Yen? Triggered traps.
Viper. Bah, c'est vert avec un T. On peut pas changer sa tête. Tu peux avoir un chapeau et tu peux avoir un masque. Ah oui, attends, oui, oui, tu veux le barbeur. Attends, non, 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 il veut le. Oui, en plus, c'est vrai que je vais t'amener faire ça. Allez, viens. On va te faire un look. Parce qu'en plus, par définition, t'es une gonzesse. Ouais. Bon, moi, ça me dérange pas, je joue une gonzesse, hein, mais. Non, je sais pas ce que je suis. Pas pour une magette, si c'est quand même mieux, mais. Ouais, putain, ouais, mais. Moi, je peux pas faire ça, bon enfoiré. Comment vous faites le double jump? Je peux pas. Voilà, sur les équipements, ça fait partie des stats que tu peux gagner, jump. Non, mais pour nous, c'est après ces galères, ils auraient pu faire un truc quand même. Bah, justement, tu fais tab. Y'a un autre donjon là, juste à côté. Arma, tu veux qu'on fasse l'autre donjon ou bien tu veux aller. En fait, j'en ai dit deux autres. Ouais. Changer de sexe d'abord. J'irai en Thaïlande tout à l'heure. On va d'abord faire le donjon. Ok. En passant, je te ferai une bague. Et puis après, on ira voir les pirates et on te trouvera un pet. Comme ça, en même temps, nos chers abonnés pourront découvrir comment on peut obtenir. Et pas chimer. Comment on peut obtenir donc le pet et à quoi ils servent les pets. Parce que j'ai découvert ça offline. Bon, j'ai eu un drop, mais ça t'intéressera pas, c'est un flingue. Moi, j'ai eu un drop et je regarde le skin. Un autre truc intéressant à savoir, donc pour toi, tu as remarqué que tu gagnes de l'XP quand tu tues des bestioles, etc. Et donc en fait, ça correspond à l'XP de ta classe. De la classe que tu joues. Chaque classe a sa propre XP. Donc quand tu vas switch d'une classe à l'autre, tu auras le level de cette classe selon ce que tu as joué avec. Quand tu appuies sur C, tu vois ton vrai level. Ton level de compte, c'est le Mastery Rank. D'accord. Voilà, c'est ça qui est en fait le plus important à monter, même si c'est bien d'avoir une classe qui est OP quoi. Et par exemple, au level 20 en Mastery Rank, tu gagnes tes ailes, parce que oui, dans ce jeu, on peut voler. Cool. Autre chose que les étalages. Bon, d'ailleurs, j'ai monté de deux niveaux avec les plantations. Et où est-ce que tu vois ton Mastery? Appuie sur C, et c'est tout en haut. Tout en haut, la barre jaune. Ouais. D'accord. Et donc pour faire monter le Mastery Rank, c'est à chaque fois que tu prends un level, tu en gagnes. Tu en gagnes quand tu fais du craft. Enfin, pas tous apparemment, mais les crafts avancés sûr. Et puis il y a pas mal d'actions au niveau des collections. Quand tu rajoutes un style à ta collection ou quand tu détruis une arme pour gagner de la monnaie. Du jeu, tu en gagnes également. D'ailleurs, ça, c'est aussi des trucs qu'on va te montrer parce qu'en fait, on est plutôt limité au niveau d'inventaire et c'est le meilleur moyen qui existe pour être tranquille. Et pour l'instant, on va surtout aller plein nord, retourner dans les maisons et. Moi, je veux changer de sexe, moi. Voilà. On a fait le donjon. Donc on va aller voir le barbier, comme ça il va te la... ça veut dire te couper, mais en fait non, c'est l'inverse. Est-ce que je peux faire le saut? 1, 2, 3... Oh non, mais... J'essaie de pas tomber, moi. Okay. Alors, même si t'aimes bien te promener comme ça, l'idéal c'est de prendre ta monture pour te déplacer, tout simplement parce qu'à chaque fois que tu passes sur une touffe d'herbe, tu ramasses des glimpses. Et les glimpses, c'est une petite monnaie du jeu qui est très intéressante parce que c'est celle qui te sert à obtenir ton pet. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que tu regardes dans ton inventaire en appuyant sur B et que tu nous préviennes quand tu auras 250 glimpses. C'est à ce moment-là qu'on pourra t'acheter ton pet. J'en mets 110. Ça monte bien. En même temps, on est à 3. Attends. Bah, du coup. De toute façon, si besoin, on lui achète. Oh, attends. Oui, évidemment. C'est R. On va essayer de mettre R du coup.
Excusez Arma, hein, c'est compliqué, il découvre, bon. C'est un jeu compliqué, il découvre. Ah, ça y est. Attends, le dernier là. J'en ai besoin pour faire les bagues. Et donc, on va aller chez moi parce que je sais pas si y a ce qu'il faut chez Mino. De quoi pour ouais, moi c'est juste en bas. J'ai même pas besoin de monter. Bon, après toi, c'est la cave. Viens dans ma cave. Viens donc dans ma cave. Oui. Voilà. Et le barbeur se trouve juste ici. C'est le truc avec le miroir là. Ah, bah voilà. L'a dit. Non. Ok. Hop, je te laisse faire ça. Je suis sorti histoire de pas avoir des trucs dégueulasses. Ah, d'ailleurs, moi je crois Mino, que Mino, pas Mino, là, quoi. Mino, viens, Mino. Mino, ouais. Viens là. On va lui faire une blague. Quoi ? Je lui fais une blague. Cassez les couilles, les gars. Les gars. Enfin, le gars et la nana, c'est pour ça. T'as plus de dire les gars, excuse-moi. Non, mais y a pas de problème, j'ai... Désolé, c'était trop tentant. On recommencera pas, c'est promis. Bah, pendant ce temps-là... On va dans la maison de Mino, on s'incruste complètement. Oh, c'est quoi ça ? Quoi ça ? Il y a un aide aussi. Ça, c'est quoi ? Ouais, ça, c'est quoi ? T'as vraiment un estomac à la place du cerveau, toi. Hein. Tout de suite, on rentre chez toi, tout de suite, il y a une statue de bouffe, quoi. Une colonne avec un gâteau au-dessus. Ouais, ah, mais alors, et le gâteau, putain, mais il est vénère, quoi. Bon, les gâteaux. Ouais, il est vénère. Et ça, c'est quoi ? C'est une vache. Une vache Technoland. Et à côté, c'est... Pas une vache, hein. Pas une vache. À côté, c'est... Je sais pas. Les trois trucs sur les murs, là, c'est mes trophées. J'ai que trois trophées, moi. Ah ouais ? C'est parce que tu ne tues pas assez de boss. Et puis, t'as un bébé dans un coin, il est puni. C'est Puniland. Trop mimi. T'as quoi dans tes coffres ? J'ai que des arcs. Non, mais en fait, ça ouvre mon coffre. C'est ça qui est drôle. Ah oui, c'est personal chest. Ouais. Non, je sais même pas. Il y en a beaucoup des coupes de cheveux. La barber shop. Ah oui, hein. J'aime la craft. J'aime vraiment ton staff, il est vraiment joli. J'adore. Du coup, quand j'aurai mieux, bah, je garderai le style. Ouais. Bon, par contre, ça va pas trop avec mon personnage, mais c'est pas trop un problème. Ouais, on s'en fout. C'est pas important. Ah, j'ai d'autres trucs à placer aussi. Bon, alors, pendant ce temps-là, je vais rajouter... Comment on fait pour enlever son masque ? Parce qu'il est moche. Hein ? Le masque, bah, on peut pas le... Quand tu appuies sur C, tu cliques sur ton masque. Et quand on passe sur ton masque, mais sur la case qui est en dessous de ton masque. Oui. Voilà. Et tu descends tout en bas. T'as Hidden. Tu cliques dessus. Ah, bah tiens, tu viens de m'apprendre un truc. T'as ça pour à peu près pour le chapeau et le masque, et pour les armes, je crois pas. Hein, Aussi. Non. Non, en fait, t'as Candy à la fin, par exemple pour moi, ou je sais pas quoi. Je sais que c'est pas moi qui l'ai appris celui-là. Voilà. Ok, parfait. Alors maintenant, donc, j'appuie sur P et je vais te rajouter un autre club, parce qu'on a un club. Et oui. Et, ouais. Et on fait du golf.
Et j'ai des choses à vous montrer que Armdragger a déjà vu en screenshot et Mimi connaît également. C'est. Non, c'est un seul dé. Ils sont en train de m'enfoncer dans le sol. Tu l'as même pas fini, c'est pas marrant. Putain, en plus c'est écrit juste au-dessus, je suis complètement con. Bouge pas, Armdragger. Je bouge pas, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, c'est quand que tu l'enlèves l'arbre? Je sais pas. Mais ah, tu m'as. Attends, enfermé? Bouge pas, non, bouge pas. Je bouge pas. C'est juste que j'ai fait une faute dans ton pseudo et je sais pas où. Je l'ai bien écrit tout à l'heure, mais. Mais non, pourtant, j'avais bien écrit 2G. Je verrai sur le record où j'ai fait la connerie. Voilà. Ou alors je censurerai. Voilà, donc maintenant tu as accès au club, donc tu appuies sur P pour voir comment les clubs dans lesquels auxquels tu appartiens, et tu peux cliquer sur le bouton Club World. What? Qui va te permettre de téléporter sur le monde qui appartient uniquement à notre club dans lequel j'ai construit ceci pendant... Oh, c'était immense. Ben, les premiers jours de la semaine, et voilà. Je me suis dit que ça allait faire plaisir à des gens si je faisais des trucs cool, et donc j'ai essayé de faire le truc le plus cool du monde, qui ne sert à rien pour l'instant. Mais il va y avoir une maison ou quelque chose d'un peu épique à l'intérieur, et j'ai peut-être une idée pour un truc plus haut encore. Voilà. Tant qu'il n'y a pas des escaliers en colimaçon, moi ça me va. Il y aura des escaliers en colimaçon parce que Minorax l'a demandé. C'est pas juste. Je t'en prie. J'arrive même pas à monter dans les arbres. Alors, vous en pensez quoi? Ça va, hein. Bah, moi je veux pas dire, mais il va y avoir des escaliers. C'est assez what the fuck pour l'instant, mais. Parce que tu l'avais vu en screenshot, toi, mais tu t'attendais à ça une fois dedans, en vrai? Non, je l'avais pas vu en screenshot, j'avais vu un petit truc en screenshot. Ah, c'était les tout débuts que t'avais vu alors? Oui. Allez, pumps. Moi j'ai pas de jump. D'ailleurs, en fait, il m'en faut des jumps, mais. Voilà, bon, allez, on va partir à l'aventure maintenant. Donc l'idéal pour sortir, parce qu'on n'a pas encore placé les portails et tout ça, c'est d'appuyer sur H pendant quelques secondes et de danser la lambada. On ressuscite quelqu'un. Ouais, quand tu danses, en fait, c'est presque hot hein, quand tu restes quelqu'un. On va rentrer dans le monde. Bon, on est assez costaud, donc on peut te permettre de prendre un peu d'avance. Donc c'est comme tu veux. Soit on va dans 1 à 3, soit on va dans 4 à 5. Bon, 4 à 5, allez go. Au-dessus alors. Merci. Ouais. Un étage au-dessus et c'est le portail bleu. Oh putain, je me suis cassé la gueule. Et à côté de moi, quelqu'un de poétique se trouve, puisqu'il s'appelle La Salope. Bonjour La Salope, comment t'appelles-tu? Bah, tu viens de le dire. Allez, go, on entre. Vamos. À la playa. Vamos à la playa. Je me sers un petit verre d'eau. T'es sûr que c'est pas d'autre chose? Non, de l'eau, la vodka reste dans le frigo. Ah. Je ne bois pas pendant l'enregistrement, on sait jamais ce que ça donnerait. Donc je regarde la carte pour voir ce qui est libre et on va partir vers la zone rouge, voilà, donc. C'est Mino en plus qui m'a montré ça hier, j'avais pas fait gaffe. En haut à gauche, sur l'écran, donc vous voyez, il y a FPS, ping, location, etc. Et en fait, il y a le W, sud, sud-est ou nord-est, enfin, il y a entre parenthèses, ça indique pas l'endroit où on se trouve sur la carte comme je pensais, ça indique bien la direction dans laquelle on regarde. Donc ouest. Oups, j'ai eu un freeze. Après, on peut regarder d'un côté sans être positionné vers ce côté.
J'ai pas dit dans quel côté ta caméra regarde, hein. C'est les côtés dans lesquels t'es. C'est vers là où tes boobs sont dirigés. Vous êtes où? Très poétique. Je sais pas. Oh merde. Alors, on t'a pas attendu. La base, on vient pour lui et tout. Mon dragon, il est encore en sang. T'es où? Et là, regarde, il est en haut de la montagne à cheval. Ah non, c'est pas lui. Non, je suis en bas de la montagne. Non, mais dans une fosse. Ah bah bravo. Je distingue légèrement ton pseudo dans la bouillie de pseudo qu'il y a là au centre. Pour être plus rapide, tu peux faire deux toi, en deux. D'abord, je regarde. Voilà, je suis remonté. Comme une conne, je suis aussi tombé dedans. Allez, go. T'as vu, on y est? Oui. Toute cette belle et joyeuse bande de la Dentist Adventure. Allez. On a le bourdon. Hop là. On l'a pas.